À 85 ans, Jean-Paul Belmondo espère poursuivre sa carrière au cinéma. L'acteur, en vacances à Saint-Florent, Haute-Corse, a confié lundi à Corse Matin avoir encore envie de tourner, assurant que « la passion ne, elle, a jamais quitté ». Pour le moment, je ne fais pas de film, ce n'est pas encore tout à fait au point. Je réfléchis aussi à d'autres propositions, j'espère qu'on m'en fera également d'intéressantes, a déclaré l'acteur de 85 ans, interrogé par le quotidien sur un possible tournage avec le réalisateur Fabien Antoniente. La passion ne m'a jamais quitté, j'ai envie de tourner, en fait, la passion ne m'a jamais quitté, mais j'ai aussi envie que les choses soient bien faites. J'ai confiance en l'avenir, a ajouté le monstre sacré du cinéma français qui a indiqué qu'il ne refera pas de théâtre. C'est devenu plus compliqué pour moi, ma carrière a été longue, très longue et elle touche aujourd'hui à sa fin. Sincèrement, je ne la regarde pas. En réalité, je la vois dans le regard des gens, a-t-il expliqué. Touché par la mort de ses amis acteurs, l'acteur a également confié avoir un seul regret, celui de voir malheureusement partir des amis très chers, Jean Rochefort, Philippe Noiret et quelques autres. C'est la vie et je sais, je l'espère en tout cas, que je les retrouverai un jour là-haut, a également confié la star nationale, assurant n'avoir pas peur de la fin, j'ai eu une vie si heureuse. Résolument optimiste, Bébel assure que le meilleur reste à venir.